avant de commencer notre parcours, peut-être rappeler, en tout cas évoquer cette notion de paysage culturel qui est inscrite en fait dans les textes de l'UNESCO, qui est une définition donc qu'on va vous proposer d'explorer ici sur le terrain. Bien sûr, la partie paysage qu'on connaît assez bien, quoique vous allez voir qu'il faudra l'expliquer un petit peu. Et cette dimension de paysage culturel, c'est à la fois la partie patrimoine matériel, donc bien sûr le traitement paysager, l'influence, la transformation que l'homme pose sur le territoire, sur un territoire donné, mais c'est aussi toute la dimension des milieux écologiques et naturels, bien sûr, qui coexistent dans ces espaces. Ça pour la partie patrimoine matériel, mais aussi toute la dimension du patrimoine immatériel, très important également, souvent même plus important, même si on ne le voit pas au premier abord, tous les usages, toutes les sociabilités, toutes les représentations culturelles, littéraires, picturales, qui viennent donner du sens et donner une identité particulière à ces paysages. Donc c'est ça qu'on vous propose maintenant d'explorer entre ville et campagne, nature et culture, pour essayer de comprendre la richesse assez extraordinaire de ces paysages dans la région. Alors nous allons aller du vallon du Rodon où nous sommes ici, où s'est implantée l'abbaye de Port-Royal. Puis nous explorons le plateau de Magny à partir du domaine des Granges que l'on voit en fond derrière nous. Puis ensuite les lisières boisées de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines qui va s'installer dans les années 1970. Et on pénétrera dans ces espaces urbains, dans les quartiers de la ville nouvelle, pour aller jusqu'aux arcades du lac de Ricardo Bofill, qui seront notre point d'arrivée. Comme Lucie vous a présenté donc ce parcours, maintenant on va pouvoir débuter avec le conservateur du Musée national de Port-Royal-des-Champs, Philippe Luet, qui nous attend un peu plus haut pour débuter notre visite. Bienvenue à Port-Royal, suivez-moi. Le site de l'abbaye est constitué d'un ensemble d'environ une vingtaine d'hectares. Pour la partie la plus anciennement connue, c'est la partie occupée par les anciens bâtiments monastiques de l'abbaye, donc abbatiale, dortoir, réfectoire et l'ensemble des lieux de vie des religieuses. Un ensemble qui a totalement disparu entre 1711 et 1713, au moment de la décision prise par le roi Louis XIV de demander la dispersion de la communauté à l'archevêque de Paris, de demander la suppression de l'abbaye à Rome et d'accompagner la communauté parisienne pour la disparition de l'abbaye à Port-Royal-des-Champs, avec un petit bâtiment qui accueille les premières collections des souvenirs de Port-Royal. C'est aussi un des paysages les plus classiques, je dirais, de l'espace, parce que son aménagement est un aménagement archéologique, comme on le faisait au XIXe siècle, dégagement de la partie de l'église, dégagement de la partie où se tenaient les bâtiments monastiques, mais sans qu'on ait été jusqu'à faire des fouilles plus complètes à l'emplacement des bâtiments. Cela dit, le paysage tel qu'on le connaît encore aujourd'hui, c'est-à-dire une rangée de tilleuls pour symboliser le cloître, est un paysage ancien car il est installé dès les années 1850 pour pouvoir symboliser l'ensemble des bâtiments disparus. Et ce paysage archéologique, romantique, existe toujours de nos jours. Ce qui est moins connu et pourtant tout aussi important, c'est le reste du domaine. À commencer par un grand étang qui se trouve derrière moi, qui est un étang créé de manière parfaitement artificielle au début du XIIIe siècle, avec la construction d'une vaste digue avec trois murs de ressaut assez hauts par rapport au niveau du marécage, qui permet de créer un très vaste étang de forme carrée qui retient l'eau de la rivière dont la source se trouve à quelques centaines de mètres et qui partant permet de faire tourner l'ensemble des ateliers de l'abbaye et qui permet également, dès le XIIIe siècle, d'amener l'eau courante à l'intérieur des bâtiments monastiques. Cet aménagement, il est classique pour des abbayes qui sont des abbayes relevant de la congrégation de Cîteaux. Pour ce qui est du site des Granges, on est sur un paysage fortement remanié, avec une cour de ferme qui a connu plusieurs campagnes de transformation au niveau de ses bâtiments,
mais qui a pu conserver l'essentiel de ses bâtiments fonctionnels, donc des bâtiments agricoles, à peu près dans son état fin 19e, avec quelques ultimes transformations dans les années qui ont suivi la Deuxième Guerre. En revanche, les aménagements du XVIIe siècle ont partiellement disparu. Il reste de cette époque le grand bâtiment 17e qui sert aujourd'hui de bâtiment principal pour accueillir les collections du musée et quelques éléments bâtis qui évoquent le grand verger créé au XVIIe siècle qui est le jardin expérimental majeur et marquant de ce paysage de Port-Royal. À partir des éléments qu'on possédait de ce verger, nous avons pu, dans les années 90, avoir un important travail mené par les universitaires en lien avec le ministère de la Culture pour réussir à recréer un paysage singulier qui était retrouver une évocation de ce jardin majeur de fruits créé au XVIIe siècle avec des bouturages, des espèces expérimentales. Après avoir suivi Philippe Luez dans les hauteurs du site des Granges, alors vous voyez, on a même tombé la veste tellement l'effort et le microclimat dans lequel nous nous trouvons actuellement, dans ce verger historique, le verger des Granges de Port-Royal, ou dit aussi le verger des Solitaires, ou d'Arnaud d'Andilly. C'est l'occasion ici, dans ce verger, de rappeler l'épaisseur, la charge de ces paysages culturels qui sont justement chargés, on pourrait presque parler de paysages mémoriels, c'est-à-dire qu'ils sont véhicules de la mémoire collective, parfois très ancienne, et il raconte justement ces histoires à différentes époques, selon différentes strates. Parfois, c'est vrai, avec cette complexité qu'évoquait Philippe Luez, donc il faut prendre le temps de les comprendre, prendre le temps bien sûr de les apprécier, de les partager, mais aussi pour trouver aussi les bons leviers de gestion et derrière entre les administrations qui sont en charge de ces paysages. Donc ici, on est au cœur vraiment de cette question d'un paysage qui est à la fois un lieu technique, un lieu même peut-être à la pointe de la technologie de cette époque sur la maîtrise hydraulique, sur la maîtrise variétale, fruitière, d'arboriculture fruitière, mais aussi un verger qui raconte beaucoup des cultures et des modes de pensée, des modes de vie de l'époque, en lien avec la ferme évidemment, en lien avec aussi une pensée religieuse de la nature et du paysage. On est ici dans un espace très important de l'histoire de l'horticulture en France et en Europe. Le moment où l'acclimatation d'un certain nombre de variétés fruitières, on parlerait maintenant de paysage comestible d'ailleurs, un paysage qui est donc fruitier, qui est aussi bien sûr maraîcher, qui se développe dans toute l'île de France à cette époque, et en particulier dans cette région du Sud-Yvelines où on a des grands savants, des agronomes, qui justement écrivent, expérimente, réinvente une horticulture héritée des pays méditerranéens, en particulier d'Italie. Et ici, dans ce joli coin d'Île-de-France, se crée ce verger historique en 1645-46 à Robert Arnaud d'Andilly, de la fameuse famille des Arnaud ici, donc les résidents, les penseurs et savants qui ont vécu sur ces lieux à côté des religieuses dont nous parlait Philippe Luez tout à l'heure. On a ici un laboratoire horticole où on trouve certaines des variétés qui sont créées, qu'on consomme encore de nos jours. Ce verger a inspiré, vous voyez, on est au milieu du XVIIe siècle, ce verger a inspiré ensuite, a servi de référence à d'autres, notamment le potager du roi à Versailles, hein, Jean-Baptiste de la Quintigny, hein, le jardinier de Sa Majesté, qui vient ici observer les techniques des solitaires, ceux qu'on appelait les bienheureux jardiniers. Vous voyez, tout est dit, on est entre l'héritage religieux très ancien de la pratique du jardinage, qui est dans le monde monastique en particulier, ces pôles ruraux économiques qui sont aussi des pôles de production vivrière, aussi dans les échanges marchands de l'époque. On sait ici par exemple que le monastère de Port-Royal était en relation avec les marchés de Chevreuse, hein, pour la partie parc naturel actuel, mais aussi le marché de Trappes et même un peu plus loin pour la partie du haut du plateau qu'on va continuer à explorer ensemble maintenant. L'idée maintenant, c'est de vous emmener en visite, explorer ce plateau de Magny-Saint-Quentin ou ces paysages du Repois et des Yvelines, où on va pouvoir progresser dans ces différentes séquences de paysages jusqu'à l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Ce
qui est très représentatif de ce paysage, c'est justement ce cordon forestier qu'on retrouve un peu partout autour du territoire de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui justement crée ces lisières qui font qu'on ne perçoit pas l'urbanisation derrière, avec donc ces ensembles, ces bulles de paysage qui se retrouvent à plusieurs endroits et qui ici forcément autour de Port-Royal très marquées en lisière sud du parc naturel régional. Autre élément très représentatif pour le territoire, c'est bien sûr, et on le voit bien avec les granges de Port-Royal, c'est un espace typique aussi de ces grandes fermes qui sont très nombreuses sur ce territoire, et en particulier bien sûr sur ces marges sud, et qui montrent toute une activité rurale très ancienne, en tout cas au moins du XVIIe siècle, qui s'installe et s'est développée donc dans toute cette partie du territoire. Certaines encore existent, qui sont encore étudiées actuellement dans le cadre des plans de l'agglomération sur le développement de la agriculture urbaine. Là, on a aussi quelque chose d'autre de très important dans le paysage à regarder, c'est ce qu'on appelle la fameuse rigole du roi. C'est bien sûr le roi Louis XIV, et là, on commence à rentrer dans les enjeux aussi de territoire à cette époque, de maîtrise justement de ce domanial, au moment où Versailles, le palais du roi Soleil, se construit pas très loin d'ici, et le moment où justement ces grands jardins ont besoin d'aller chercher l'eau, alors les fameux réseaux des rigoles et étangs supérieurs, inférieurs, ils ont besoin donc de capter cette eau à très grande échelle. Maintenant, on est à mi-chemin de ce chemin rural, avec derrière nous encore les granges de Port-Royal. De l'autre côté, vers l'est, la ferme de Bulloyer, autre grande ferme du territoire historique qui existe dès le XVIe siècle au moins. Et ensuite, derrière nous, cette ouverture dans la forêt qui nous amène vers la ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux, autre ferme. Donc c'est ce qu'on appelle à l'époque, au XVIIe siècle, les fermes et villages de Port-Royal, telles qu'elles apparaissent dans les sources aux archives nationales notamment, et qui montrent qu'on a tout un domanial, tout un réseau, une vie économique, une vie rurale bien sûr, mais aussi une façon de vivre et de transformer ce paysage lié bien sûr à ces grands sites de fermes sur le territoire qu'on retrouve d'ailleurs à l'échelle de tout le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est effectivement la zone de transition entre ce plateau de Magny, un espace rural et agricole, et la ville qui se trouve juste derrière ce cordon boisé. On est ici dans un paysage tout à fait typique. Le Hurepoix, c'est un pays ancien, le mot ne s'utilise plus beaucoup aujourd'hui. C'est un pays qui va des boucles de la Seine au nord-ouest jusqu'à l'Étampois, autour de la région d'Étampes, au sud-est. La caractéristique géographique du Hurepoix, c'est d'être fait de plateaux, de hauts plateaux pour l'Île-de-France, c'est parmi les plus hauts de la région, qui sont entaillés de vallées profondes, étroites mais profondes, et du coup de deux unités paysagères très différentes entre les plateaux agricoles ventés, comme celui sur lequel nous sommes, le plateau de Magny, et les vallées qui forment un univers paysager complètement différent, très très distinct. Ces vallées, on a l'impression quand on les pénètre qu'elles sont du coup un univers à part, un univers clos qui est très différent du reste des plateaux. Ça n'est d'ailleurs pas étonnant si des abbayes se sont installées au fond de ces vallées, l'abbaye de Port-Royal dans la vallée du Rodon et l'abbaye des Vaux-de-Cernay par exemple un petit peu plus au sud. Donc on va ensuite passer de l'autre côté de cette vallée pour aller sur le plateau de Trappes qui en fait a concentré l'urbanisation de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines quand elle est apparue dans les années 1970. Donc là nous sommes arrivés à l'entrée de l'ancienne ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous sommes sur la commune de Voisins-le-Bretonneux. Quand on arrive ici, on voit l'arrière des maisons qui sont tournées vers l'intérieur du quartier et on a un paysage qui n'est pas ouvert sur la ville nouvelle. Cette urbanisation de la ville nouvelle ne se découvre que de l'intérieur. Quand on arrive de ses franges, on ne la voit pas. Et c'est d'ailleurs souvent pour ça que les gens qui viennent de l'extérieur ne voient pas la ville nouvelle, ne trouvent pas même où elle est.
Alors, ce qui est intéressant aussi ici d'observer, c'est de voir à quel point, et là on est bien sûr dans le patrimoine, l'histoire culturelle, le patrimoine immatériel, à quel point le vocabulaire a influencé aussi ces campagnes de promoteurs qui ont justement repris un certain nombre de termes, de notions, notamment derrière nous, ces premières habitations qui s'appellent les nids de Port-Royal. Vous voyez cette idée d'être dans un nid de verdure, avec d'autres qui s'appellent chemin de ronde, donc sur des références anciennes, médiévales, classiques, liées bien sûr à l'histoire du patrimoine et donc dans cette transition aussi qui se joue entre la présence de l'eau, la présence du végétal, du forestier, du couvert forestier et bien sûr le début ensuite de l'urbanisation de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors nous avons choisi de faire une étape ici parce que cette résidence, elle présente un paysage qui est représentatif des paysages urbains. Nous sommes là dans la deuxième phase d'urbanisation de la ville nouvelle. À partir de la fin des années 70 et des années 80, la ville nouvelle s'urbanise à l'est, après avoir commencé sur l'ouest du plateau de Trappes avec Élancourt-Maurepas. On est dans une zone qu'on appelle les trois villages. On est sur une urbanisation qui est essentiellement d'habitat individuel. Il y a aussi du collectif, hein, bien sûr, puisque l'idée, c'est de pouvoir accueillir une densité importante de population. Mais on a une forte demande de la population française en général pour des maisons individuelles. Et ce que viennent chercher les gens qui s'installent en Ville Nouvelle à cette époque-là, c'est vraiment une vie de famille, un confort de vie avec beaucoup d'espaces verts. Et vraiment, ils recherchent cette ville à la campagne que peut offrir ce genre de résidence. Alors vous le voyez derrière moi, on a un espace vert central très important auquel on accède par des voies piétonnes des quatre côtés et un seul accès routier qui donne un aspect fermé à ce quartier quand on arrive par la route. Et pourtant, il est très très ouvert par les trams de sentiers piétons et les liaisons douces. Le quartier est caractéristique, c'est anecdotique, mais par sa forme, qui reprend celle d'un château médiéval, d'un fortin, avec un chemin de ronde, d'ailleurs c'est le nom de la rue qui entoure ce quartier, qui permet de faire le tour du quartier en passant par des tourelles d'angle, c'est des placettes en fait, qui représentent vraiment, vu du ciel, ça se voit très bien cette forme de château. Et les maisons qui ont été conçues par un cabinet qui s'appelle Arc Architecture, elles présentent des façades droites sur la rue et des grands toits pentus côté jardin que vous pouvez voir derrière moi, mais également une ligne de faîtage constante qui permet de donner une homogénéité à ce quartier. Chaque maison a un jardin individuel en plus de cet espace collectif et donc c'est vraiment un endroit qui est à la fois très proche du centre de Saint-Quentin-en-Yvelines et en même temps très très calme. Donc ici, nous sommes toujours au bord de ce chemin qui fait partie de la trame verte de l'agglomération et au bord d'une rigole, de ce fameux réseau de rigoles et d'étangs qui acheminait l'eau vers Versailles. La ville nouvelle, quand elle s'est implantée à partir de 1972, a conservé ce réseau de rigoles présent dans le paysage un peu partout sur l'ensemble de l'agglomération. Malgré tout, elle a coupé l'alimentation en eau physiquement des réseaux de Versailles à partir de 1977, notamment en raison du passage du réseau routier. Alors nous sommes ici sur la passerelle Jacqueline-Auriol. C'est une passerelle qui enjambe la route départementale 36, qui est un de ces axes typiques de la ville nouvelle, des villes nouvelles en général. Ce sont des grands axes routiers qui permettent d'aller très rapidement d'un bout à l'autre du territoire. Ce sont des axes routiers d'où on ne voit pas les quartiers environnement, l'urbanisation, parce qu'ils sont protégés par des buttes de terre qui dissimulent à la vue les quartiers environnants, qui les protègent également du son, du bruit des voitures que vous entendez sûrement derrière moi. Cette route, elle est également bordée de part et d'autre d'une double rangée d'arbres qui permet également de séparer des circulations douces, notamment des circulations pour les vélos, mais aussi pour les piétons, à côté de ce grand axe routier. Alors nous sommes ici arrivés aux Arcades du Lac, ce sera la dernière étape de notre parcours. C'est un quartier qui a été réalisé
en 1979 jusqu'à 1981 par Ricardo Bofill. Ricardo Bofill, c'est un architecte qui aujourd'hui est internationalement connu, mais qui à l'époque réalisait ici sa première opération en France. Une œuvre marquante dans le paysage, qui permet de distinguer la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines des autres territoires environnants et des autres villes nouvelles à une époque où les villes nouvelles sont très critiquées parce qu'on dit qu'elles se ressemblent toutes. Il imagine une œuvre qui fait référence au château de Versailles qui est juste à côté d'ici, à une dizaine de kilomètres, en imaginant les arcades du lac d'un côté, qui en fait représente un jardin à la française avec des bâtiments qui entourent des jardins intérieurs qui sont comme les petites haies de buis autour des carrés des jardins à la française. Un bassin, le bassin de la Sourderie, qui reprend exactement les dimensions du bassin des Suisses au château de Versailles. Et puis en face, l'ensemble du temple et des templettes, réalisé un petit peu plus tard dans les années 80, qui évoque ce château de Versailles avec sa façade austère et ses grandes baies vitrées qui courent sur plusieurs niveaux, qui font bien sûr référence à la galerie des glaces du château de Versailles. Bien voilà, nous arrivons au terme de notre promenade paysagère sur le territoire entre Port-Royal, les espaces du parc naturel régional, l'urbanisation de Saint-Quentin-en-Yvelines, jusqu'ici aux arcades du lac. On espère que cette visite vous a plu, que vous avez apprécié ces découvertes. Jusqu'aux prochaines propositions du côté du musée de la ville, n'est-ce pas Lucie ? Oui, on propose souvent au musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines des explorations à la fois du paysage mais aussi de l'urbanisme du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc c'est à retrouver sur le site internet du musée. N'hésitez pas à venir voir ce qui s'y passe. On tenait aussi à remercier nos partenaires pour cette balade paysagère en lien avec le colloque donc organisé à Saint-Quentin-en-Yvelines sur les paysages culturels. Ce sont l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles, le Musée national de Port-Royal des Champs, bien sûr tous les services techniques de Saint-Quentin-en-Yvelines et puis le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Merci.